Le cacao ivoirien présent aux rencontres diplomatie culinaire, première édition à Paris en France. Cette plateforme culturelle entre la France et le Maroc est un creuset d'échanges autour de la gastronomie. La Côte d'Ivoire a toute sa place, sachant les relations avec le Maroc qui sont de très bonnes relations justement. Et l'idée c'était aussi de faire venir d'autres artisans et notamment le cacao de Côte d'Ivoire. Pour cette année, l'association Les Amis de San Pedro, ONG qui fait la promotion du cacao ivoirien et de ses dérivés dans l'Hexagone, anime un stand. Boissons, épices, marinage de produits validés par le conseil du café cacao, les visiteurs à l'image de l'ambassadeur du Maroc en France sont conquis. Qui nous a parlé du commerce équitable, qui nous a demandé que la Côte d'Ivoire ferait mieux de transformer ses produits sur place pour mieux les valoriser, chose que nous avons compris. Je pense que nos autorités le comprennent bien. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en train de faire la promotion de nos artisans afin qu'ils puissent avoir de la visibilité en France et en Europe. Ce salon de deux jours est une initiative de l'Association marocaine des rencontres diplomatie culinaire qui a mobilisé une vingtaine de grands chefs cuisiniers de France et du Maroc.